Bonjour à tous et à toutes, je suis Raelus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. Peut-être la fin, je ne sais pas encore, mais j'ai bonne impression. La dernière fois, après plusieurs quêtes assez compliquées à gérer, vous avez vu malheureusement la triche en action. Et après une petite discussion avec Elané que je vous invite à regarder. Nous sommes fin prêts pour la bagarre contre le maître des ombres, sauf que nous avons été réveillés dans la nuit car il semblerait qu'il y ait une bagarre. Voilà, alors ça c'est les ravageurs, ça c'était fait plus ou moins facilement, mais on nous a dit « Allez, réveillez-vous, il y a la bagarre, vite, 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 il faut que vous nous rejoigniez. » Chambre de Nachère. Non, il faut que j'aille à la salle de guerre. Si j'ai bien suivi. Commençons dans un peu de temps. Les armées des ombres n'ont pas tardé à attaquer les remparts. Alors, je pense que c'est là que toutes les améliorations qu'on a fait pour notre fort de la croisée va s'avérer être utile. Sauf que les armes de mon fort de la croisée sont à ce jour nulles. Par contre, l'entraînement est impeccable, les fortifications elles sont à donf. Mais je pense que je vais avoir quelques petits soucis quand même. J'attends de voir. Alors, Garius a fait avancer son armée bientôt. La surprise est dans son camp, mais les ténèbres ne dureront pas. Des tours de siège ont été aperçus et nos hommes ont besoin de vous sur les remparts pour les repousser. Ah bah ils arrivent plutôt. Quelle créature avez-vous aperçu? Très important. Les éclaireurs ont repéré les morts vivants géants dont vous parliez hier. Ils ont vu aussi toutes sortes de créatures de la nuit. Ombre, âme en peine et même des vampires. Ils arrivent plus tôt, oui. Notre manœuvre du pont ne les a pas retenus bien longtemps. Garius a dû sacrément secouer ses troupes pour qu'ils soient déjà là. C'est l'avantage d'avoir une armée qui ne fatigue jamais, tu m'étonnes. Des conseils, la priorité ce sont ces tours. Elles sont trop massives pour qu'on les abatte avec nos armes. Il serait donc impossible d'échapper à un combat sur les remparts. Une fois les tours en place, occupez-vous de les faire effondrer les portes frontales. Si on ne peut pas détruire ces tours, on peut au moins les rendre inutilisables. D'accord, j'ai passé nos meilleurs mages sur ces remparts pour pousser les tours. Seul le feu peut les abattre, il faut donc protéger les mages. Ok. Eh ben du coup, let's go. Alors, nous enverrons deux unités. Laquelle de vos lequel de vos compagnons doit diriger la première unité? Je pense que Kara. Ah, quoique Kara, faudrait qu'elle me joigne. Amonjero. Quelles troupes doivent l'accompagner? Les guerriers Grimantel. Les archers Grimantel plutôt. Qui doit commenter la deuxième unité? Kelgar. Kelgar, on a besoin de ta combativité. Et lui, il va amener les guerriers pour Danel, bien sûr. Le fort dispose d'une bien mérité effectif que vous voyez sur le rempart. On n'est pas encore je cite l'optique du soyons de pouvoir arrêter une telle armée. Combien de temps on peut tenir? Quel est le meilleur moyen de neutraliser les tours de siège? Ah. Ce qu'il faut, c'est utiliser le feu pour effondrer les portes d'accès, d'accord. Combien de temps on peut tenir? Nous tiendrons une nuit tout au plus, mais l'ombre n'est pas de notre côté. Ça c'est nouveau. Eh oui, on ne tiendra pas sans renfort et nos alliés d'eau profonde sont à au moins un jour d'ici. Je croyais qu'au profonde. Non, bon on va tenir jusqu'à l'eau. Nous tiendrons même si Garus parvient à envahir la cour intérieure, nos troupes se casseront les dents sur le double périmètre, ok. Vous ne pourrez certainement pas vous rééquiper une fois sur relais. Non, bah écoutez, moi c'est bon. Moi j'ai tout ce qu'il faut. Prenez ceci. Ah. Sceptre de résurrection. Ouh, le Seigneur Nachir lui-même a exigé que ce sceptre soit remis. Sa magie lui rend la vie aux défunts. Ah ah. David, chaque soldat importe, mais leurs chefs doivent survivre à tout prix. L'issue de la bataille repose sur vos épaules et vos compagnons et vous. Bonne chance, vous avez ma parole, nous tiendrons. J'ai un sceptre de résurrection. Très très bien ça. Alors, fort de la croisée extérieure. Oulala, oulala. Alors, le premier tour de siège va nous arriver dessus. On fait tout ce qu'on veut pour les ralentir, mais ils sont bien trop protégés. Une chose est sûre, le fort est pavé. On va faire comme ça. Le fort est pareil pour la bataille, mais on va remonter. Rebâti, coupissement renforcé. Oui, l'arc à but. Ok.
J'en ai presque pitié de vos ennemis, si tant que les tours de siège auront abordé nos murailles, les meurtriers. Pour tous les tours de siège d'après Kana, le fait est notre meilleure chance. Et les envoyer les mages à la tour, il faut les protéger. Ok. Si on détruit la porte de la tour, l'engin de siège est inaccessible. Très bien. Et. Alors je sais pas où je suis parce que j'ai beaucoup trop de personnes à diriger. Alors j'ai qui vient avec moi? J'ai Amonjero et j'ai Kelgar. Ok, ok. Ok, très bien. Et eh bah écoutez, je vais faire une sauvegarde rapide. J'aurais dû prendre Kelgar et Picard si j'avais su. Pas grave, je pourrais reprendre. Et on y va, on doit protéger tout le monde. Alors aussi, j'ai le sceptre. Il est où le sceptre? Sceptre de résurrection, examiné. J'ai 13 charges. Ça va être si complexe à utiliser. Et j'ai 8 charges. On m'a menti, j'ai 8 charges. Ok. Alors. Ok. Voilà. Alors attendez, ils sont où? Ils sont les gens là. Tour de siège. Ah, ils arrivent. Il y en a un qui arrive là. Il y en a un qui arrive, il y en a un qui arrive. Je vais devoir utiliser. Ordre, suivez-moi. Là, on les attaque. Hop, 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 on les attaque. Aïe. Allez, dépêchez-vous. Mon dieu. Maintenant, on attaque la tour. Le... Allez! Allez! Parfait! Et un. Il y a une deuxième tour qui s'est foutue quelque part. On va essayer d'en finir avec les squelettes avant un deuxième tour. Voilà, attends. Hop là. Ok. Très bien. Deuxième tour de siège. Suivez-moi. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Allez, on attaque, on attaque. Putain, je suis en train de perdre tout le monde. Je suis en train de perdre tout le monde. Allez, voilà. Ça va les distraire un peu. Ok, la deuxième. Ok. Il y a encore un ennemi là. Si je peux éviter de perdre Kelgar et Amonjero, ça me suffit. Ah mais ils restent... Voilà. Ils sortent d'où? Ah super, ils sont les mes potes. Ok. Où est la prochaine? Elle est là-bas. Pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Or, suivez-moi. Allez, et on y va. Allez, on attaque, on attaque, on attaque, on s'en fiche des autres pour le moment. Cette chose repousse mes attaques. Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Ok, maintenant on attaque le reste. Attends, déjà, toi. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien.
Allez, on se dépêche. À mon peine. Voilà. Le prochain. Le prochain, il est là-bas. Ah la vache. On se fait attaquer de partout. Oh non, je peux pas bouger. Oh non, je peux pas bouger. Horrible. Horrible. Oh non, puis il y a une aura de terreur, c'est une blague. Je suis effrayé. Bah non, mais c'est pas le but. Ah bah yes. Ah bah non, là c'est pas bon du tout, par contre. Là, c'est vraiment pas bon. Je suis effrayé et je peux rien faire. Ah bah là c'est fini. Hein. Là, je peux plus rien faire. Ah, il y en avait un là. Non mais je peux rien faire là. Alors que la tour de siège est bientôt... Ah, il y a deux tours de siège, au secours. Acrobatie réussie, acrobatie réussie. Encore des renforts, tout le monde est mort. Bon, et au moins j'ai des gens qui arrivent. Ouais. Ouais, et moi... Putain, mais chute... Mais... Arrête d'être effrayé. Oh, il est con. Il est con, cet homme-là. Non, il est effrayé, toujours. Ah, ça y est. Alors... Vengeance des abysses. Mais... Résurrection sur quel gars? Et à Manjaro. Voilà. Hop. Allez. Parfait. Et là, maintenant l'attaque, la tour de siège. Allez. Allez. Parfait, une autre tour. Il en reste une au fond. Tac. Non, normalement c'est tout bon. Ok. Ok, phase 1 terminée. Je pense. Capitaine, toutes les tours de siège ont été détruites. Excusez-moi. Capitaine, la porte ne tiendra pas. Il faut immédiatement regagner l'enceinte intérieure. Je vous conseille de faire vite, sinon toute retraite nous sera coupée. Les troupes restantes. Capitaine, regardez! Le soleil a émergé de son sommeil. Garius a peut-être avancé sous le couvert des ténèbres, mais ses troupes brûlent désormais sous les rayons du soleil. Même avec ce qui lui reste de morts vivants, le roi des ombres aura du mal à pénétrer le périmètre intérieur. Sans leur tour, ils ne pourront rien faire face à nos attaques depuis les remparts. Oui. Sans défense. En restant sur ces murailles, tu sais, tu survivras peut-être. Ou peut-être nous reverrons-nous au sein de l'armée des ombres avant longtemps. Laisse-moi te montrer. Cette porte ne s'abaisse pas. Ce qui signifie que ton précieux fort ne tiendra pas longtemps. Ne te fatigue pas à réparer le mécanisme de la porte. J'y ai déjà jeté un œil, et ce fut bien plus facile à détruire que je ne l'aurais cru. Tu n'en réchapperas pas, mais moi si.
et je ne suis jamais du camp des perdants. Vos ordres, capitaine ? Il faut qu'on tienne la cour le plus longtemps possible. Hardis soldats, le soleil nous est venu en aide, capitaine. Ce barrage est notre dernière chance. Quel compagnon dois-je envoyer se battre à vos côtés ? Qui d'autre ? Nos hommes formeront la ligne à l'abri des fortifications. Attirons l'ennemi au centre et accueillons-le avec une pluie de flèches. Nous enverrons d'autres unités quand vous le jugerez bon, capitaine. Laquelle souhaitez-vous en premier? And which unit should stay with you along the front lines, Captain? Ghana! Ces morts vivants ne craignent pas la lumière! Quoi? Les vampires! Les ombres! Ils continuent à affluer! Ils sont ici! Les voilà! Ok, phase 2. Donc il y a, semblerait-il, un petit souci. La lumière ne leur fait rien du tout. C'est génial. Alors, vous avez rallié la cour intérieure, ce qui est à ce moment-là que je fais Bishop pour vous trahir. Bishop étant un sale enfoiré. Je ne crée pas la lumière, c'est votre dernière chance de défendre le fort de la croisée. La strat étant que Kara, quoi qu'il arrive, ne doit pas crever. J'ai toujours un malus de constitution décrue. J'y crois à mort. J'y crois. Let's go. Ah mais le but en fait c'est de me suivre les gars. Suivez-moi. Ah mais... Attends. Ah mais il faut... D'accord. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Kara, je suis une navrée mais elle va peut-être crever. Ah mais il faut... Ah oui c'est vrai, pardon. Oui. Tac, 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 vampire. Bon. Hop. Moi, je vais... En fait, on va rester en avant et Kara doit absolument pas se faire toucher. Il faut qu'elle lance des gros sorts. Dans tous les cas, mon but, ça va être de protéger Kara quoi qu'il arrive. Donc vous allez me voir beaucoup faire pause. C'est tellement horrible ce qui se passe. Je ne comprends pas grand chose. Non. Je me charge de lui. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Là, vu qu'on est dans une sorte de... Je vais pas dire bouchon, mais une espèce d'entonnoir. On va en tuer le... On va en tuer et en affaiblir le plus possible. Comme ça, c'est réglé. Ok, ils en viennent plus. Maintenant, on termine. Le reste... Ok, ça, c'est bon. Facile. Capitaine, c'est intenable. Ils sont trop nombreux. Même avec la lumière du jour. Vous croyez que l'aube vous sauvera, soldat de pas de verre ? Grâce à mon seigneur, même les créatures à ténèbres ne craignent pas. Que petite lumière. À présent, capitaine, rendez-moi mon fort. Il faut s'occuper de Garius. Et vite. Tant que son sortilège est actif, ses légions ne feront que se renforcer. Monseigneur attend aux portes de ce monde minuscule. Mais son avatar suffira à vous écraser, vous et votre armée.
Ok. Il y a des montées de niveau à Monjero et Jvaej. Ok. Bon, je vais déjà faire ça, du coup. On va faire ça en speed. Voilà, et à Monjero aussi, on en profite. Voilà. Bon, du coup, là on est sur un boss. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Hop, nouvelle save rapide. Pour le moment, ça n'a pas été trop trop dur. Je vais peut-être regretter ce que je vais lire. Ah merde, non, 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 non. Alors, Amonjiro. Amonjiro, non. Tac. Et. Tac. Et toi, Kara. Kara, Kara, Kara. Allez. Il faudrait. Ouais. Ouais, ça va le faire. Et à Monjero, voilà. Ok, j'y crois mort. Voyons voir. Est-ce que j'ai raison? Je refuse que Kara meure, en fait. Tout simplement. Ah, quel gars, il est effrayé. À Monjero, il est effrayé. Bah, yes. Et lui, il attaque derrière. Oh, le salaud. Par contre. Tac. Et. Tac. Et je suis mort. Ça va vraiment pas être facile du coup cette histoire. Et oh la vache, c'est lui qui. Ok. Non, c'est impossible. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais chercher une deuxième partie. Je vais la retenter. Je la retente. Mais il faut que Garius je l'affaiblisse. Sinon, je vais pas y arriver. Alors, on la refait. Ténébreux bipède. Hop. Entendu. Voyons hop. Ce qu'ils ont dans le bide. Go. Voilà. Et Kara, elle s'est faite défoncer et. Bien sûr. Bien sûr. Ça va vraiment être très très dur cette histoire. Ouais, bon, vous savez quoi? Vous savez ce qui va se passer, hein. Vous savez ce qui va se passer. J'ai repéré des ennemis, ça ne durera pas. Coinçons-les. Commençons la déclamation. Je suis prête.
se lève et l'ennemi est en fuite. Tuez-les! Victoire! L'ennemi prend la fuite. Envoyez les éclaireurs les harceler, mais n'engagez pas le combat. C'est un grand jour. Nous avons subi des pertes significatives, mais votre discernement vous a permis de l'emporter. Le Seigneur Nashair vous remercie, et moi aussi. Aujourd'hui, vous avez bien combattu. Le temps que le roi des ombres se perd dans sa forteresse, il n'y aura pas de vraie victoire. Il faut trouver un moyen de la faire. De crever ce roi d'ombre qui l'entoure. Sans cela, nous sommes perdus, à plus ou moins long terme. Je pense qu'il est temps de voir ce qu'Aldanon a trouvé. Attendez. Vous êtes en train de me dire... Oui, c'est les embrouilles, je vais recharger le jeu juste après. Mais vous êtes en train de me dire que... Au bout de... 4 heures de jeu après avoir eu tous les objets qu'il me fallait pour savoir où était le roi d'ombre et la sauce que j'utilisais, elle me disait non mais tu peux le faire maintenant, et dans ma partie je pouvais pas le faire, c'est au bout de 3 heures et après cette phase que je peux enfin accéder à la zone de fin du jeu. Il y a un souci quelque part, c'est pas possible. Voilà, sauvegarder ça déjà. Et normalement, si je fais juste une charge rapide, ça devrait être disparu. Normalement. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est un effet de style, hein. Voilà. Aldanon ! Enfin ! Ce tome que vous avez trouvé... Quelle merveille en vérité! Je suis parvenu à l'utiliser! En termes profanes, disons que j'ai bricolé les connexions que l'on trouve ici et là. Oui. Bricolé? Et ici et là, c'est quoi exactement? Oui, voyez-vous, le tome recèle une certaine dualité, comme deux pages se faisant face dans un livre fermé. Si vous l'ouvrez, elles sont séparées, mais quand il est fermé... Elles sont l'une contre l'autre. Vous saisissez? C'est l'idée la plus géniale que j'ai jamais entendue! Ainsi, le livre peut rapprocher deux points? Oui, le tome peut créer un raccourci, mais aussi se concentrer sur un point précis du vallon. Mais ce qu'il a déjà dit, c'est que nous pouvons utiliser le tome pour accéder au cœur mortel du Mardolin. Ce qui semble être une idée formidable pour tout le monde. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Oui, ça y est. Tout devrait bien se passer, en théorie. Ne vous inquiétez pas. Cela devrait nous conduire où nous voulons aller. Une fois activé, le tome est, paraît-il, très fiable. Alors allons-y sans tarder, avant que le roi des ombres ne reprenne ses forces. Garius et lui ne tarderont pas à lancer une nouvelle attaque. Sachez que le domaine du roi des ombres se trouve au plus profond du marais. Dans des ruines de l'ancien empire d'Ilfarn. Les ruines de ce qu'il a été créé pour protéger. C'est au cœur du Mardolin. Autrefois, mon peuple appelait le Mardolin la lente marche, en raison de son inexorable progression sur les terres. Maintenant, c'est une ombre qui en sort, et qui s'insinue lentement. Quelle importance! Notre brave capitaine s'en sortira. Assez bavardé. Allons-y. Très bien. Dès que vous serez prêts, jeunes gens, je vous y envoie. Très bien. Plus que quelques inscriptions à tracer. Un rapide mot d'activation. Bonne chance à vous, capitaine. Pareillement, capitaine. Puissent les dieux veiller sur vous. Et voilà. Nous y sommes. Sand, vous devriez être en mesure de l'utiliser. Effectivement. Dommage à portier et cadavre imminent. Quelle fulgurante ascension sociale. Mais bon. La bataille ultime nous attend. Bonne chance à vous tous. À n'en point douter, nous mourrons tous si vous échouez.
Mais tâchez de ne pas trop y penser. Bon sang, quel tempérament, ces aventuriers. Aller braver une créature comme le roi des ombres. J'aime autant voir ça de loin, en tout cas.